Salutations, ladies and gentlemen, pour cette 7e leçon, et oui, déjà 7 de l'Académie Minecraft. Et le thème aujourd'hui, eh bien, ça va être comment optimiser un village, toujours en Minecraft Java Edition. On est en 1.16, mais ça marche aussi en 1.17. On verra pour la 1.18. Alors, objectif de cette 7e leçon, eh bien, le premier objectif dans le village que nous avons trouvé sera de donner un métier à chaque villageois. Une fois ceci fait, il faudra reproduire les villageois. Voilà, pas de limite, hein, n'en faites pas trop, ça fait laguer vos jeux, vos mondes. Le troisième objectif sera de monter un villageois au niveau maître. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et quatrième objectif, gagner un stack de 64 émeraudes. Donc un stack c'est 64, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Un stack d'émeraudes, donc 64 émeraudes. Voilà, je vais le reformuler. Et enfin, cinquième et dernier objectif pour cette 7e leçon, eh bien vous devrez avoir les 12 métiers. Eh oui, il y en a 12. Eh ben non, en fait il y en a 13, mais il faudra deviner quel est le 13e. Et le 13e nous mènera à la leçon suivante, probablement en enfer. Mais c'est tout pour aujourd'hui, assez de teasing dans cette introduction. Je vous retrouve tout de suite au village, je vais prendre la petite porte derrière moi, d'ailleurs je vais le faire avec vous. Pouf, petite porte derrière moi. Je vais retourner sur Exilis, attention. C'est parti, on est chez moi, voilà, on va repasser aussi en survie, hein, puisqu'on fait cette académie en survie, tous, vous comme moi. Il fait nuit, donc on va se précipiter tout de suite sur notre lit, hop, avant que des mobs viennent nous enquiquiner. Je n'ai pas trop avancé la base ici, puisque j'étais coincé au village, donc forcément, c'est un petit peu toujours dans le même état. Mais voilà, hop, voilà, on a passé la nuit. Eh bien, je vais me rendre au village, on va se retrouver tous ensemble là-bas, hein. La carte est finie, je ne sais plus si je l'ai montré. Le village, on doit le voir dessus, normalement. Hop, oh. Ah oui, je rebondis sur le lit. Le village, il doit être là-haut, ici. Voilà, il est là-haut, on ne voit pas bien, mais il est là. Là, la petite tache marron là-bas. Vous allez voir que je l'ai un petit peu agrandi, c'est fait exprès. Je reprends la vidéo, la leçon dès qu'on y est et vous comprendrez mieux tout ce que j'évoque. J'arrête de teaser, autant passer dans le vif du sujet. A de suite. Et nous voilà donc dans ce village que nous avions découvert en leçon 6 de l'académie. Il a un petit peu changé. Voilà. Pourquoi ? Eh bien pour les besoins de la leçon, j'ai pris le temps de l'agrandir et j'ai fait les maisons, un petit peu toutes les maisons qui existe dans un village plein. Il faut savoir que dans les villages, il y a donc des looks différents suivant que c'est un village, on va dire, sapin, un village désert ou un village savane. Il y a aussi le look jungle et marais, mais eux n'ont pas de maison attitrée. Donc par exemple, ça c'est une maison moyenne. En face, on a la maison d'un artisan, on va y revenir. Au fond, là-bas, on a une grande maison de type plaine. Et on avait dès l'origine des petites maisons ici et là dans le village d'origine. Voilà, il commençait ici le petit village que j'avais trouvé avec vous dans la précédente leçon. Voilà, maintenant il a beaucoup de maisons, mais c'est voulu parce qu'il y a en fait 13 maisons de plus pour les 13 métiers, tout simplement. Donc je ne vous montrerai dans cette leçon que le look plaine, mais si vous avez peut-être vous trouvé, si vous suivez les leçons, si vous reproduisez les leçons dans un monde survie, vous avez peut-être vous trouvé des villages savane, désert ou taïga tundra, on va dire. Voilà, c'est voilà, c'est dans ces biomes là qu'on trouve un autre look, le look un peu viking nordique, dans les biomes. Ah, j'ai oublié les biomes neige aussi, il y a aussi les villages du froid. Voilà, ce serait plutôt ceux-là, tundra d'ailleurs. Taïga, tundra, plaine, désert et savane. Voilà, ouais, ok, voilà, on va s'y retrouver. Alors, pourquoi j'ai fait plusieurs maisons? Eh bien, parce qu'il y a des maisons pour chaque type de profession dans Minecraft, et c'est cela qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment optimiser votre village, et ça passe par l'optimisation, tout simplement, des professions. Alors, les différentes professions dépendent d'outils de métier, on va appeler ça. Il y en avait un dans chaque maison, évidemment, je les ai virés. J'ai laissé les coffres, hein, par contre, avec ce qu'on trouve de lootable dedans. Donc, bah, d'ailleurs, on va récupérer tout ça. Oui, ça peut nous être utile, hein. Voilà, on va légèrement piquer un petit peu les affaires de ce villageois, voilà. Ah bah tiens, en plus, un petit progrès au passage, un corps d'acier. Ah oui, parce que j'ai réinitialisé les progrès pour revenir en mode Minecraft standard, donc ici. Voilà, donc je l'avais déjà fait, mais bah, certains progrès vont se remettre au fur et à mesure de nos nouveaux épisodes. Voilà, c'est pas grave.
Donc là, on est dans la maison du fabricant d'outils, si j'ai bonne mémoire. Oui, bah oui, c'est marqué, je l'avais marqué dessus. Et donc, pour qu'un villageois devienne fabricant d'outils, je vais vous montrer d'ailleurs où sont les villageois, s'ils veulent bien. J'espère qu'il en reste, parce que les zombies, je vous rappelle, attaquent les villageois. Donc l'optimisation de votre village va aussi passer par sa sécurisation. Là, je ne l'ai pas fait, mais j'en aurai pas le temps dans cet épisode. Mais l'idéal serait quand même de lui faire une muraille tout autour et de l'éclairer, de façon à éviter qu'il y ait des mobs partout. Bon, tous les villageois sont barrés, je sais pas où. Voilà, ils sont en train de discuter, j'imagine. Non, bah ils sont tous où? Ah, en voilà. Donc vous voyez, il n'a pas de profession. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bloc métier. Contrairement à celui qu'on avait trouvé au tout début, donc on a gardé sa profession. Je vois aucun villageois, ça m'inquiète. Il va falloir que j'en ramène. Ah si, il y en a un qui... Ils sont tous là, ils sont partis se promener. Voilà, ils sont là, ils se promènent. Bah c'est bien, bien promenez-vous, mais quand même pas trop loin. C'est dangereux là, ça va, la plaine. Faites attention. Alors, notre premier villageois avec lequel nous avions discuté, commercé la première fois, voilà, c'est ce monsieur, c'est le cartographe, qui est cartographe parce qu'on lui a posé une table de cartographie. Voilà, tout simplement. Alors pour rappel, la table de cartographie, pour la faire, il vous faudra 4 blocs de planches, quelles qu'elles soient, quel que soit le bois, et 2 de papier. Hein, pour vous mettez ça dans un établi, ça vous fait ce bloc métier-là pour avoir un cartographe. Et bien maintenant, c'est parti, on va faire cinquième objectif, puisque c'est avoir 12 métiers. On va commencer par ça, on va donner un métier à chaque villageois. J'espère que j'en aurai 12, sinon bah, on va les reproduire, c'est aussi un objectif. Voilà, on va tout faire, hein. Et donc, pour cela, j'ai préparé dans les coffres de quoi crafter à chaque fois le truc qui va bien. J'ai juste oublié de prendre un établi. Et bien, hop, on se fait 4 planches. Avec ces 4 planches, on se fait un petit établi qui va nous servir plusieurs fois. Hop, je vais ranger ça parce que ça va me gêner. Ok, bah, ça tombe bien d'avoir récupéré une pelle parce que la mienne était toute usée. Hop, voilà. Allez, on est parti. On va donner un métier à chaque villageois. En tout cas, chaque maison va avoir son nécessaire. Hop, et donc là... on les trouve ici, voilà, non, pas celle-là. Table de forgeron. Ah bah du coup j'ai peut-être inversé, c'est peut-être pas ça que je devais mettre ici. Alors attendez, on va être logique, c'est pas le forgeron ici, c'est le fabricant d'outils. Donc on va aller fabriquer, on va aller chercher les matériaux que j'ai mis ailleurs. Tagadak, alors par contre c'est à l'autre bout du village. On va encore être obligé de... se déplacer un petit peu. Ah, j'ai vu 2 villageois, c'est une bonne nouvelle. Hop, il était où lui? Il était par là. Voilà, le forgeron, ce serait plutôt ici. Et donc ça, ce serait la meule qui ferait le forgeron d'outils, a priori. On va récupérer tout ça. Et puis, bah, forgeron, du coup, on va lui mettre ici. Voilà, on va le mettre ici. La smithing table, la table de forgeron. Voilà, comme ça, il y a un villageois qui va pouvoir devenir, bah tiens, celui-ci peut-être qu'il va repérer... Il n'a pas envie, bon, d'accord. Donc, comment ça se passe pour repérer, pour qu'il devienne, forgeron? Hop, tant qu'on est là et qu'on a un villageois, on va récupérer ça, je vais vous montrer. Il faut lui montrer où est l'outil. Voilà, lui, par exemple, il a besoin d'un outil. Hop, mais c'est pas la bonne heure pour eux. C'est pas la bonne heure, c'est l'heure de discuter, donc ils veulent pas aller travailler. Bon. Alors on va la récupérer, on va la reposer dans le bâtiment en attendant que ces messieurs discutent. Donc là, bah, ça me permet de vous parler vite fait du cycle de fonctionnement des villageois. Voilà, donc là vous êtes au moment vers 16h à peu près dans leur journée, 16-17h, où ces messieurs viennent au niveau du centre du village pour discuter, se raconter un peu ce qui se passe, dire que Olchaldir est un mec sympa parce qu'il est venu commercer avec eux et que peut-être qu'il faudrait prêter attention à ce qu'il va faire. Une fois qu'ils ont fini de discuter, ils vont retourner se coucher. Ensuite, le matin, ils vont se réveiller. Ils vont avoir un autre petit temps de parlotte, mais ils ne viennent pas au centre du village, juste voilà, avec les voisins. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, ils vont retourner à leurs occupations, chercher un métier. Et donc, bah, c'est demain, après cette belle nuit, que nous pourrons faire ça. Mais eh bah, d'abord, il va falloir que le soleil se couche complètement, donc qu'ils aillent se coucher, qu'on trouve un lit, nous, de disponible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite... profiter de ces dernières lueurs du jour pour aller chercher de la laine. Oups, sans les taper, pardon. pardon, bah, c'est le mouton. Pourquoi la laine? Oups, viens là toi. Parce qu'on va avoir besoin de lits. Le système de reproduction des villageois depuis la 1.14 n'est plus basé sur un système de nombre de portes dans un village, pour ceux qui viennent des anciennes versions, mais sur le nombre de lits dans le village.
Et donc, il vous faut de la laine pour faire plein de lits. Et avec ce plein de lits, vous allez pouvoir aider les villageois à se reproduire. Ils vont se reproduire comment? Eh bien, ils vont se reproduire au moment... là, je peux faire 5 lits, ouais, ça va le faire. Ils vont se reproduire au moment, justement, où ils se réunissent au centre du village, constater qu'il y a des lits de libre et s'empresser, du coup, de faire des bébés pour occuper ces lits. Voilà, c'est la mécanique de reproduction. Donc, je vous rappelle qu'on doit reproduire les villageois, nous aussi. Donc, on va se faire du bois. Et avec la table de craft que j'ai laissée là-bas, on va se faire des lits, dont un pour nous, pour passer la nuit là, parce que sinon les villageois vont être enquiquinés par les zombies qui vont spawner. Il faudra vraiment que, avant la prochaine leçon, je sécurise ce village. Il y a vraiment beaucoup de possibilités d'être enquiquinés là pour l'instant. Alors, j'avais pas beaucoup de laine, donc je n'ai pas fait énormément de lits. On va en faire un ici, par exemple, dans la forge. On va lui en rajouter un. Je sais pas s'il le verra, si je le mets trop loin. Et il a pas, voilà, il a pas beaucoup de place, le monsieur. On va lui rajouter un lit, et puis nous, on va se coucher dedans, voilà, pour tout de suite avoir un point de réapparition et avoir passé la nuit. On va chercher une autre maison aussi où mettre des lits, comme ça. On va tout de suite optimiser la reproduction. Bah tiens, ici, par exemple, ce serait pas mal. Là, hein, un petit lit pour je sais pas qui. On en a un troisième, donc on va le faire. On va le poser tout de suite. Je sais pas si le pêcheur, ici, a un lit. Et s'il est assez grand pour en poser un... Ouh, c'est tout juste, hein. On va lui mettre un lit là, quand même. Voilà, il vient à la pêche en intérieur. En fait, il pêche à l'extérieur, voyez, hop. Et puis là, il ramène ses petits poissons. C'est bien fait, non? C'est bien fait. Alors, on continue. On est parti. Là, ils sont en train de se réveiller. Donc, il faut vite leur donner de quoi travailler. Et pour ça, on continue à fabriquer les outils. Donc, la meule va nous permettre, il me semble, de faire un fabricant d'outils. Je crois. On va vérifier plus tard. On va la mettre dehors, hein. On travaille dehors, hein, quand on est fabricant d'outils, voilà, petite meule, hop, on récupère notre établi, faudra sûrement qu'on récupère aussi un peu plus de laine pour faire d'autres lits, mais on va se concentrer déjà sur le fait d'avoir nos 12 métiers. Donc, ici, hop, le pêcheur, lui, il a besoin d'un tonneau pour faire son travail. Donc ce tonneau, vous avez besoin de 6 planches et 2 dalles qui vont se disposer ainsi, hein, en forme de tonneau, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, vous posez votre tonneau. Alors lui, c'est pareil, on va lui mettre son tonneau en extérieur. Hop. Alors j'aime bien quand les tonneaux sont tournés dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Donc voilà, c'est fait pour le pêcheur. On a le forgeron d'outils, on a le forgeron d'armes. On a le pêcheur, on a déjà notre cartographe, il est sur ma gauche. On va continuer notre exploration du village avec tous les petits coffres que j'ai laissés disséminés un peu partout. À droite ici, il y a une librairie, voilà, avec des libraires, vous voyez, oh, ils ont plein de petites bibliothèques. Et eux, ils ont besoin d'un pupitre de lecture. Voilà, le pattern de construction, c'est ça, c'est une bibliothèque et 1, 2, 3, 4 dalles. Donc une fois que vous avez ça, paf, un petit établi. Dans ce petit établi, vous allez dans Redstone, tiens, pour une fois, hop. Et là, vous allez prendre un pupitre. Le pupitre, vous le mettez à l'intérieur. Alors, normalement, il y en avait 2 dans cette maison. Il faudra que j'en remette un deuxième. Pour avoir 2 libraires. Mais pour ça, il va falloir reproduire beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On est pas mal au niveau des métiers. Là, on commence à en avoir une bonne moitié. Tiens, regardez. Ils ont repéré le truc pour travailler. Et hop, il va y aller. Alors, on va le regarder faire parce qu'il va devenir libraire. Et voilà. Et alors, le libraire, c'est un des villageois très intéressant parce qu'il vend des livres enchantés. Donc, on vérifie tout de suite que vend-il. Eh bien, il vend un livre nul, hein, protection contre les explosions 2. Que fais-je dans ce cas-là? Il me plaît pas, lui, il a pris un métier pas terrible. Eh bien, j'ai une option très utilisée et très utile, c'est que je casse mon lecterne, hop, il a perdu le métier, et hop, je le remets. Non, bah non, si tu te mets devant, je peux pas le remettre. Bon, on va le mettre de l'autre côté, voilà. Et paf, il retourne. Alors là, il doit être en contact, hein. C'est dans les dernières mises à jour, il faut qu'il soit en contact. Et là, bah, c'est encore plus nul, il achète du papier, mais il vend même pas de bouquin. Alors hop, on te change de métier, poum. Hop, tu redeviens libraire, allez, tu redeviens libraire, montre aux gens, allez, sois sympa. Non, tu vas pas me faire le coup là, non, tu vas pas te barrer. Bon, il se barre. Bah c'est pas grave, nous on va continuer notre petit travail. Quand il aura envie d'être libraire à nouveau, bah il retournera voir le pupitre de lecture. Là il boude, donc bah laissons-le bouder. On va continuer nous notre petit tour des métiers. Donc l'idée c'est de choper évidemment, hein, en enlevant et en remettant de façon... Répétez le bloc métier de choper le libraire qui vous donnera ce que vous avez vraiment envie comme métier. Ici, on va mettre un maçon et le maçon, il a besoin de cet outil-là, un tailleur de pierre.
Hop, et le tailleur de pierre, eh bien, on va lui le mettre à l'extérieur, hein, parce qu'il va pas travailler dedans quand même. Hop, voilà. Et voyez, hop, attention, attention, attention. Pouf, voilà un petit maçon. Et eux sont très bien, parce qu'ils achètent de l'argile. Donc, vous verrez que pour le commerce, certains sont plus intéressants pour l'achat et d'autres pour la vente. Hein. C'est un peu classique, c'est comme dans la vie. Les libraires, par exemple, on leur achète plutôt des choses. Les maçons, c'est plutôt on leur vend de l'argile de façon à récupérer des émeraudes pour acheter aux libraires. Eh ben oui, voilà, c'est ça l'optimisation d'un village. Ça passe par prendre le temps eh bien, d'avoir les bons métiers au bon endroit. Alors ici, on avait le boucher. Il était déjà là dans ce village. Donc, c'est le fumoir là-bas qui permet d'avoir un boucher. Et on fait un fumoir avec ses différents blocs. Donc, un four entouré de bûches. Bûches ou bûches écorcées, etc. Ça marche. Hein, tout ce qui ressemble de près ou de loin à des bûches. Alors, je crois qu'ici, on avait un deuxième boucher. Non, c'est une maison. Ok. Ici, on avait le tanneur. Et donc, le tanneur, c'est un chaudron. Vous avez besoin de tout ça en fer. Hop. Donc on va en récupérer, j'en avais déjà un petit peu sur moi, mais c'est pas grave. Hop. Donc un chaudron, on veut un chaudron pour le tanneur, ça lui sert à nettoyer les pots, évidemment. Alors dans la maison originale, il y en avait trois à la côte-côte. Hein. Et je vous rappelle que vous pouvez mettre de l'eau dans un chaudron. Hop. Petit tac. D'ailleurs, pour la forme, on mettrait bien un petit seau d'eau. Hein. Ouais, on va faire ça bien. Voilà, monsieur, vous allez pouvoir être tanneur. Allez, viens faire le tanneur. Il n'arrive pas à passer la petite barrière, là. Hop, allez, va faire le tanneur. Là, c'est de l'autre côté. Voilà, passe par là. Et voilà un petit tanneur. Et regardez, le tanneur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il vend de la crotte. C'est le métier que j'aime le moins. Tanneur, il vous vend des armures en cuir. Donc, ok, elles sont en couleur, mais bon, soyons honnêtes, on a très vite plus besoin de tes armures. Alors, à la fin, ils vendent aussi des armures en cuir pour les chevaux. Ça peut être intéressant. Mais franchement, c'est vraiment un métier pas très intéressant, ni en achat, ni en vente. Voilà. C'est malheureux pour toi, monsieur, mais t'es pas très intéressant. Y a pas une petite mare de flotte dans le coin, là? Mince. Je voulais récupérer de l'eau avant... Ah, si. Avant de continuer. Hop. Voilà. On est parti. Alors, je vais terminer par cet endroit qui est l'église, le temple. Mais d'abord, on va aller ici. Ah, puis j'en ai oublié une autre sur la route. Hop, hop, hop. On s'arrête par là. Dis donc, dis donc, dis donc. Comme dirait Roi Louis. C'est qui ici? C'est l'armurier. Et l'armurier, j'ai mis ça à l'intérieur. Voilà. Alors, hop, il faut ça pour faire un outil d'armurier. Et ça s'appelle un haut fourneau. Pour l'armurier, hop. Donc, on récupère tout. Vous allez voir qu'on va avoir le haut fourneau ici. Pouf. Et originellement, il était placé ici, en toute bonne logique. Voilà. Donc là, il faut que des villageois maintenant détectent ce petit bloc, et on aura un armurier qui nous vendra des armures. Ça peut être très intéressant. Ah bah, je sais plus si je vous l'ai montré, lui, c'est un villageois pas intéressant du tout, c'est le villageois qui veut pas travailler. Voilà, lui, c'est, il a décidé que, bah non, je ne travaillerai pas. Donc vous pouvez toujours essayer. Il prendra pas de métier. C'est foutu, s'il a une robe verte, c'est foutu. Hop, là on est chez le berger, ou tisserand, au choix. Et lui, il a besoin d'un métier à tisser, hop, qui ressemble à ceci. Hop, hop, voilà. Et c'est parti. Il va pouvoir faire métier à tisser. D'ailleurs, ici, on aurait pu rajouter un lit parce qu'il y a largement la place d'en mettre. Par contre, il me faut un peu plus de laine blanche, s'il vous plaît. Un peu plus de laine blanche. Ok. Bon, là, normalement, côté métier, je crois que je les ai tous faits. J'ai un doute, mais je crois que je les ai tous. Il faudra que je revérifie après. Une fois qu'ils auront tous des métiers. Mais là, l'idée, c'est vraiment qu'ils se reproduisent d'abord. Qu'il y en ait de plus en plus. Donc, il faut qu'on mette des lits un peu partout. Et il y a un moyen, éventuellement, de forcer un petit peu cette reproduction. C'est de mettre des lits directement, même en extérieur, au centre du village. Comme ça, ils les détectent tout de suite. Et puis après, vous les déplacez. Ils vont suivre les lits, de toute façon, au moment de la nuit tombée. C'est un bon moyen de déplacer les villageois. Comme de déplacer leur bloc métier quand il fait jour. Les deux fonctionnent, donc bloc métier le jour, lit la nuit, c'est l'astuce pour déplacer vos villageois. On va sûrement le faire ensemble, mais je en parle déjà. Voilà, je cherche des moutons avec de la laine blanche, s'il vous plaît, pour faire des lits blancs. Hop, j'en suis à combien? 8, il m'en faut 3 par lit, donc un nombre impair, ce serait mieux. Messieurs, dames, les moutons, s'il vous plaît, en plus on en a plein des moutons là. Ah, viens là toi. Hop, 10, et... 13, impeccable, voilà, un petit compte impair, c'est ce qu'on voulait. Ça porte malheur, mais non, ça va nous porter bonheur, nous, pas de problème pour cette 7e leçon de l'académie. Tout va bien, nous avons bien progressé, et si vous avez suivi toutes les explications, eh bien, vous avez fait un très bon début de partie, normalement. Dans les règles de l'art,
Hop, si je puis dire. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de poser un lit avant qu'ils aient fini de discuter? C'est pas sûr. Hop, on essaye quand même. Voilà, on va se faire 3 lits de plus. Hop, on va en poser ici. Et normalement, ça devrait les aider. Alors, ce qui peut les aider aussi à se reproduire, c'est de leur donner à manger. Donc, n'hésitez pas à leur donner du pain, des pommes de terre ou des carottes. Parce que bah, ça va les aider. Voilà, là, ils ont pris. Le pain n'est plus là. Hein. Et donc, pour bien fonctionner, d'ailleurs, j'ai oublié un métier, c'est le plus important. Il vous faut absolument un ou deux fermiers pour qu'ils se reproduisent mieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les fermiers vont produire de la nourriture qu'ils vont distribuer aux autres villageois. Donc le premier métier que je vous conseille de faire, c'est tout de suite un fermier. Tiens, d'ailleurs, pendant qu'ils discutent, on passera la nuit après. Parce que là, je pense qu'ils vont pas se reproduire. Le dernier métier que j'avais oublié, hop, bon, l'établi là-bas, c'est pas grave. C'est le fermier, justement. Et il a besoin d'un composteur avec ce pattern en dalle de bois. Et on va retourner à l'établi vite fait pour le faire avant que la nuit ne tombe. Hop! Voilà, bon, ils sont partis se coucher là, je pense. Hein. Non, non, ça discute encore. Ah bah, ils ont l'apéro tardif là. Hop, un petit composteur pendant ce temps-là. Et puis après, on va les aider à passer la nuit à se réveiller pour qu'ils aillent chercher le métier de fermier. Voilà, toujours pareil, hein, l'objectif est de faire cette leçon en à peu près une demi-heure. Donc, j'essaye d'aller assez vite. Ça fait déjà 20 minutes. Eh 20 minutes. Allez, on essaye de passer la nuit. Ah, il ne fait pas encore nuit. Et oui, on en voit plusieurs qui ne sont plus des villageois sans profession. Donc c'est une bonne nouvelle, ils sont allés chercher un travail. Donc on va sans doute bientôt pouvoir commercer avec eux. Ah bah non, ah bah non monsieur. Lui, il a trouvé que celui-là lui plaisait. Bah non, ça va pas du tout ça. Comment je fais moi pour passer la nuit si vous vous mettez dans mon lit? Ça va pas aller ça. Zut, bon bah on va mettre un peu de lumière, on va sécuriser le village. D'ailleurs on va peut-être le sécuriser un peu plus que ça. Je vais laisser ces lilas ici, voilà, en extérieur. Hop, j'en ai plus, j'ai encore 4 laines, wow, ça va le faire. Là, je pense qu'on a suffisamment de lits pour avoir 13 villageois, pas 12. 13 avec celui qui est en vert du coup. Ok, alors du coup on va quand même faire un petit tour pour voir un peu où ils en sont. Donc je rappelle les objectifs, donner un métier à chaque villageois. On doit être pas mal. Ensuite, reproduire les villageois. Bah ça, on va essayer d'y arriver. Mais il va nous falloir de la nourriture pour ça. Donc on va peut-être récolter d'ailleurs de la nourriture. Parce que, hop, c'est où la ferme? C'est par là. Ah, il y a un libraire. Attendez, on va aller voir le libraire au passage. Que vends-tu? Que vends-tu? Hein? Fortune 2, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On pourra peut-être essayer plusieurs fois. Je vois... Pour info, hein, l'enchantement le plus recherché, c'est évidemment raccommodage. Raccommodage permet de réparer ses outils juste en ayant de l'expérience. Donc vous tapez des meubles, outils en main, et du coup, en main droite par exemple, et il va se réparer. Donc plus besoin de plein de diamants. Si vous avez une pioche en diamant raccommodage, et ben elle va s'auto-réparer. Donc forcément, comme les libraires en vendent de ces livres-là, eh bien on a tendance à vouloir qu'ils en vendent. Que ce soit leur truc de vente prioritaire et premier. Hop, nous en attendant on a besoin qu'ils aient à manger. Donc on va enlever tout ce blé. Hop, voilà. Pour ressemer des graines évidemment. Zoom. Ah bah voilà, un petit progrès d'agriculture que j'avais déjà fait, mais ils vont revenir les uns après les autres. Vu que j'ai tout remis à zéro. Hop, 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 hop. Voilà, on fait le fermier puisque pour l'instant il n'y a pas de fermier. Et puis on va essayer d'optimiser la reproduction. Hein. C'est notre... Ah, ça y est, il y a un fermier. Voilà, on a un fermier. Celui avec son petit chapeau de paille, c'est un fermier. Impeccable. On va avoir nos 13 métiers. J'en suis persuadé, ça va venir. C'est pas compliqué. C'est beaucoup de patience, les villageois. Mais l'optimisation d'un village en début de partie comme ça, vous allez voir que c'est super intéressant. D'ailleurs, on ramènera sûrement notre zone d'enchantement, notre table d'enchantement et les bibliothèques par ici. Parce que on fera une petite maison exprès éventuellement. Villageois, quand vous tradez avec eux, ça rapporte de l'expérience. Et de ma propre expérience, excusez-moi pour le jeu de mots, eh bien c'est une des méthodes les plus efficaces pour gagner de l'expérience pacifiquement. Après, il y a d'autres méthodes moins pacifiques, mais voilà, c'est pas le sujet. Hop, du coup, on va aller faire du pain. Qu'est-ce que tu vends, toi? Oh, en plus, il vend du pain et il achète du blé. Mais attendez, attendez, attendez. On va faire d'une pierre deux coups. Hop, il achète du blé et hop, et il vend du pain.
Et hop, voilà, regardez sa barre d'expérience qui se remplit. Je vous rappelle qu'on doit en monter un au niveau maître. Et bien pour ça, il faut monter cette barre d'expérience plusieurs fois pour passer les 5 niveaux de novice à maître. Et donc lui, bah, il va nous demander beaucoup de pain pour se faire, donc beaucoup de blé, pardon. Donc il faut absolument qu'on récolte du blé. Je vais peut-être même aller en chercher au village, chez moi plutôt, faire une petite ellipse, le temps d'aller en chercher. Parce que, visiblement, alors vous voyez, c'est, voilà, bonne démonstration, j'avais oublié une petite graine, et ben monsieur s'en occupe. Et quand ça va devenir du blé, il va aussi s'en occuper, le transformer en pain, et aller avec ses copains leur donner. Et comme ça, ils vont se reproduire. Ce que je vais faire, on va se quitter 3 secondes, je vais juste aller jusqu'au village, et je reviens, au village, pardon, à la maison, chez moi, et je reviens au village, pour avoir plus de pain à leur donner, et plus, surtout plus de blé pour trade avec lui. Je vous rappelle qu'on a fait une usine à légumes automatiques, enfin presque automatiques, à la maison. Donc on va aller récolter du blé là-bas. Allez, on se retrouve de suite. Hop, de retour au village, les poches pleines de blé. C'est pas du fric, mais c'est du blé. On va essayer de trouver notre ami le fermier. Voilà, on va continuer à trade avec lui. Hein. Comme ça, il va être très content. Et oui, alors quand ils sont très contents, ça augmente notre réputation. Et donc, ça favorise aussi les échanges comme la reproduction. Donc, faut pas hésiter, voilà, à en faire plein. Et alors, attention, là, j'ai rempli sa barre verte d'expérience. Il va faire des particules. Et regardez, il va être d'un level supérieur. S'il veut bien. Voilà, et donc là, il vend des tartes à la citrouille et des pommes, et ça, c'est totalement inintéressant. C'est vraiment ballot, ça, monsieur. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Donc, on va plutôt continuer à lui vendre du blé. Voilà, on va lui vendre tout le blé qu'on a, hop, pour faire monter sa petite barre, pour qu'il passe au level suivant. Et on va lui acheter plein de pain pour ses copains, comme ça, on va le donner à tous ses copains, ça. Voilà, donc il n'est pas encore monté au level max, et ça va pas être simple, mais voilà, au moins, il a déjà bossé un petit peu. On va garder le blé ici. Hop. On va garder la laine aussi. Et le pain, on va aller le donner. On va attendre qu'ils arrivent. Donc, maintenant qu'on a commencé à monter un villageois, l'idée va être d'en monter un maître. Je vous rappelle que c'est l'un des objectifs. Hein. Donner un métier à chaque villageois. On ne doit pas être loin. Je ne sais pas si j'ai assez de villageois d'ailleurs pour les faire tous. Le stack d'émeraude et monter un villageois au niveau maître, ça va aller un petit peu ensemble. Et donc, du coup, il va falloir qu'on trade. Donc, on va essayer de repérer un qui a besoin, comme le maçon par exemple, de choses qu'on peut trouver assez facilement. L'argile, on va voir si on peut en trouver facilement. Qui d'autre veut bien trade avec nous? Alors, lui, il n'a pas trouvé de métier. Je sais qu'il n'est pas doué, parce que c'est pas ce qui manque, hein, les blocs métiers dans le coin. Notre libraire, il est barré. Je sais pas où il est barré, mais il est barré. Je voulais voir s'il achetait du papier, éventuellement. Ah, s'il est là. Il est là. Bah oui, il discute le matin, là. Waouh, quoi qu'il est peut-être déjà 16h. Donc, lui, il achète du papier. Ah, puis, bah, il est passé puissance 1. Il a changé de métier, du coup. Ah, faut qu'on surveille, alors, parce que ça devient pas intéressant, là. Puissance 1, c'est beaucoup moins bien que fortune 2, monsieur. Le boucher que je vois là-bas, caché dans sa maison. Toi, mon petit bonhomme, dis-moi, t'achètes quoi? Du poulet cru. J'ai pas beaucoup de poulet cru, moi. Ça va être compliqué, ça. Il y a des tradings plus compliqués que d'autres. Ici, il n'y a pas beaucoup de villageois. Il faut vraiment qu'ils se reproduisent, là. Alors, est-ce que, pendant qu'ils discutent, là, on va pouvoir leur donner du pain? On va commencer peut-être par la reproduction avant le trade. Ouais, il y a du monde ici. Allez. Hop, messieurs, s'il vous plaît, prenez ce pain. Et réaliser qu'il y a beaucoup de place ici et que donc il va falloir beaucoup plus de villageois. Parce qu'en fait j'en ai que 1, 2, 3, 4, 5... Ah regardez, ils se reproduisent, voilà. 6, 7... j'ai que 7 villageois. Et ouais, il m'en manque pas mal en fait. Donc si on va retourner récolter plus de laine et on va faire plus de lits. Voilà, bon, ils échangent. Et regardez, il a fait un petit bébé, il a fait un petit bébé. Et puis bah, ils s'échangent du pain là, jusqu'à ce que leur inventaire soit plein. Et puis ils vont continuer à discuter, faire des bébés, etc. Les bébés vont devenir grands, vont essayer de trouver un bloc métier, et ainsi de suite. Et quand on veut ramener un villageois dans la zone là-bas, par exemple, qui est assez loin, ben, par exemple, à la nuit tombée, on va casser son lit. Je vais voir s'il y en a un qui aura besoin de le faire. Et on va essayer de le ramener là. Ah bah lui, voilà, il discute ici, le petit pêcheur, il est tout seul. Et lui, il achète quoi? De la ficelle et du charbon. Le charbon, ça, je devrais pouvoir en trouver assez facilement. Voilà, mais là, il n'y a pas de villageois. Il va sûrement falloir que j'en ramène. C'est beaucoup trop loin du centre du village. Ils n'ont pas repéré les lieux. Donc ça, c'est pas cool. Par contre, on va aussi faire un truc tant que la nuit tombe un petit peu. Là, c'est qu'on va mettre un petit peu de lumière un peu partout. On va utiliser notre petit mode light overlay. On voit que là, c'est pas sécure du tout, ce village. Ça va pas.
Ça va pas du tout, ça. Ça veut dire qu'il y a plein de zombies qui peuvent apparaître ici. Et les zombies n'aiment pas nos villageois. Ils vont se précipiter, ils vont attaquer le village. Donc je vous conseille très fortement, c'est même plus qu'un conseil, c'est une injonction, eh bien de sécuriser fortement votre village en l'éclairant, évidemment. Donc déjà éclairer tous les pourtours de maison, et puis quelques torches ici et là, hein, même par terre, on sécurise au maximum, parce que sinon votre village va devenir un nid à ennui pour les villageois. Et c'est pas ce que vous voulez qu'ils soient en sécurité vos villageois, que tout se passe bien. Hop, alors, on continue notre petit tour du village, au moins le pourtour, ce serait bien, et puis on va aller passer la nuit aussi, ce serait pas mal, c'est encore mieux que de sécuriser le village, hein, c'est d'être là pour passer la nuit pour eux. Hop, voilà, allez, un petit peu de sécurité partout, et un lit est là, et ben vous voyez, les bébés, le bébé, il a commencé à se coucher là, et ben hop, debout tout le monde, on passe la nuit, voilà, allez, on se réveille, c'est reparti, il faut bosser. Et ouais, on est comme ça chez Holchaldir. Il n'y a pas de temps de chômage chez nous. On bosse du matin au soir, non-stop. Et bah on espère avoir les bons métiers. Bon, eh bien, je pense que je vais faire à nouveau une petite coupe, le temps d'aller chercher de quoi faire du commerce avec eux. Parce que là, j'étais parti chercher du blé, mais il va me falloir donc du charbon, du papier, différents trucs, pour arriver à les monter... au maximum, augmenter leur morale, qu'ils fassent plus de bébés, donc que j'ai les 13 métiers, et que du coup, hop, on soit bah, dans nos objectifs, qu'on ait fait tous nos objectifs. Hop, hop, hop. Alors avant de faire cette petite ellipse, on va quand même parler du 13e villageois, le 13e métier, le métier de l'enfer. Voilà. Pourquoi le métier de l'enfer? Bah, je vais vous expliquer. Je fais juste un dernier petit tour, là, pour éclairer, pour limiter quand même les dégâts, parce que j'ai déjà vu du creeper, là. Hop, on met quelques torches, on sécurise tout ça, allez je le ferai hors caméra, de toute façon j'ai plus de torches. Alors on enlève le truc pas beau, hop 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 hop, mais je me fais canarder moi, je l'avais pas vu lui. Il y a un petit squelette là, des familles qui m'en voulaient, j'ai beau être en armure diamant quand même, attention. Alors avant la petite ellipse, pour aller chercher de quoi faire du commerce... Regardez le temple. Le temple, eh bien, c'est le... Mais... Oh là, papapapapa. Regardez le temple, mais regardez d'abord qu'il y a du danger. Il y a un petit creeper qui m'a suivi. Hop, on s'écarte, parce que j'ai même pas mon arc disponible. Voilà, ça y est, je l'ai. Dégage. Dégage, monsieur le creeper. On t'aime pas. Qui aime les creepers, hein, franchement. Alors, hop. Tic-tac-boom. Donc, ici, c'est le temple. Et dans le temple, il y a un autre métier. Le prêtre, évidemment. Et pour faire avoir un prêtre, il vous faut un autre outil métier, mais qui nous pose un petit problème. Puisque, à ce stade du jeu, nous ne sommes pas allés à l'endroit requis pour avoir ce qu'il faut. Il vous faudra 3 pierres. Vous allez me dire, bah, ça, c'est facile. Hein. Depuis le début, depuis la première leçon, on en a plein. Mais il vous faudra non pas une feuille de papier, mais un bâton de blaze. Ah, bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le bâton de blaze, bah, c'est quelque chose qu'on trouvera dans la leçon prochaine, puisque du coup, on a besoin du 13e villageois. Le bâton de blaze, eh ben, on le trouve dans l'enfer de Minecraft, le fameux Nether, la dimension du sous-sol, on va appeler ça. Il y a 3 dimensions dans Minecraft. L'overworld, où nous sommes, le monde normal. Le Nether, l'enfer. Et l'End, qui est en gros une sorte... C'est pas le paradis, en fait, mais c'est, on va dire, le monde très aérien, même céleste. Voilà. Et donc, ben, il faut aller dans le Nether pour avoir des bâtons de blaze. Donc, ben, vous vous doutez bien que la prochaine leçon, voilà, vous êtes spoilé, ce sera d'aller dans le Nether pour récupérer un bâton de blaze pour faire le 13e métier. Et on en profitera pour découvrir le Nether. Voilà, ça fera pas plaisir à tous mes viewers. Je sais, notamment un Stellman, qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. On se retrouve après cette petite ellipse avec de quoi trade avec les villageois. Comme ça, on va pouvoir commercer gentiment et puis bah, les faire se reproduire. Je vais peut-être en faire quelques-uns, enfin les pousser, faire quelques lits en plus, le temps de cette ellipse, histoire qu'on accélère un petit peu la reproduction, qu'on ait nos 12 villageois et bientôt 13. Allez, à de suite. Et voilà, on y est. J'ai fait plein de lits. Voilà, et donc ils ont fait des bébés, ça c'est normal. J'ai mis dans des coffres, ici et là, j'en ai un petit peu sur moi encore, tout ce que j'ai pu récupérer de pas trop compliqué, du charbon, de l'argile, du papier. Voilà, j'en ai pas énormément, mais bon, j'ai ce que j'ai pu, hein, voilà. Donc on va aller trade un petit peu avec eux, il me reste un lit, bah on va le poser, il me reste un lit, hop, allez, on pose.
Voilà, faites des bébés, faites des bébés. Et puis, ben, on va essayer de trouver les gens. Alors, tiens, lui, il doit acheter du papier normalement. Par contre, faut qu'il vende un bouquin sympa, sinon je travaille de pas avec lui. Hein. Solidité de. Pouf, pouf, pouf. Non, t'es pas terrible, terrible, toi, hein, mon gars. L'autre là, qu'est-ce qui. T'es parti où, toi? Mais reviens. Ah, nom d'une pipe. Ils sont... Ah, puis oui, si vous avez raté ça, du coup, quand ils sont suffisamment nombreux, ils ont besoin de protection et donc ils fabriquent des golems de fer qui vont les protéger. Donc ça c'est fort intéressant, et du coup, ah voilà le maçon, du coup ils en ont un, donc il les fabrique au moment où ils viennent discuter, donc moi j'ai un peu d'argile ici là, hop, voilà monsieur le maçon, comme ça il va plus être novice, et hop, on va récupérer ce que j'ai dans mes coffres, là j'ai ramené un petit peu tout ce que je pouvais trade avec chacun d'entre eux, donc toi tu, bon on va revenir chercher la roche après, voilà donc là déjà il est plus novice, regardez il est passé apprenti, alors lui ça va être un très simple, je pense à monter maître, parce que regardez, il achète de l'argile, mais après c'est de la roche. Et ça, c'est pas trop dur à avoir, même au début de partie. Puisqu'il suffit, évidemment, hop, de... Regardez, paf, il va monter. On va lui vendre quand même tout l'argile hein, qu'on a. Voilà, il veut plus. Alors oui, petite... voilà, quand vous avez... Je suis trop vite, mince. Il y avait une petite croix, ça veut dire qu'il avait suffisamment échangé d'argile avec moi. Il voulait plus en échanger, il avait plus de stock. Mais comme il était sur son bloc métier, ça a disparu tout de suite, puisqu'ils rechargent leur stock en retournant à leur bloc métier. C'est rarement aussi rapide. Mais bon, lui, là, il était juste au-dessus, du coup, il allait vite. Et hop, il a passé un niveau, il est compagnon maintenant. Et regardez, il vous achète de l'andésite, pareil, c'est trop facile à trouver. Donc, on va continuer à le faire monter avec un peu de roche, hop. Bah, j'en ai plus assez, mais j'en ai encore dans le coffre, normalement. Voilà, j'ai pas ramené d'andésite, ça, par contre, c'est ennuyeux. Allez, vas-y, passons encore un level, il faut qu'on ait un level maître. Alors, compagnon, après, c'est... expert, et l'expert il va me vendre de la terre cuite émaillée, ben ça je m'en fous un peu, ou de la durite polie, ou de la terre cuite grise, mais il achète toujours de l'andésite et de la roche, donc ben, ça va être intéressant, ah bah ben, attendez, il achète en... j'ai encore de l'argile, donc alors vous remarquez que la barre verte monte beaucoup moins vite quand ils sont dans les levels élevés, sur les achats du haut, donc bah oui évidemment il faut leur vendre des trucs de tout en bas de la liste si ou leur acheter si vous voulez monter plus vite ici. D'ailleurs on va lui acheter de la terre cuite émaillée parce qu'on s'en fout nous, on a besoin qu'il monte, voilà. Et donc on va se faire un stock de terre cuite émaillée. Là il va devenir, regardez, regardez, hop il a un diamant sur sa blouse, et bien c'est un level maître, objectif atteint. Et oui, ça faisait partie de nos objectifs je vous rappelle. Donc on a bien donné un métier à chaque villageois ou presque, c'est en cours, on les a reproduits. On vient d'en monter un au niveau maître. On doit avoir les 12 métiers, mais enfin c'est en cours. Et il nous manque le stack d'émeraude. Donc bah, je vais continuer. On va en faire un petit bout ensemble. Donc lui, bah, ça va être bon, je crois. Je peux plus trade grand chose avec lui. Ah, et vous voyez aussi, comme il est très content d'avoir échangé avec moi, les prix ont baissé. Voilà. Donc du coup, pour moins de roches, il me donne déjà une émeraude. Donc bah, ça devient intéressant, malheureusement je n'ai plus rien pour trade avec lui. Donc on va essayer de trouver un autre villageois avec qui trade. Du coup le forgeron, voilà je crois que lui il achète du charbon. Alors attendez, on va pas s'encombrer par contre. On va laisser chez le maçon l'argile, la roche. Voilà. Pop-pop-pom. On va peut-être laisser d'autres choses d'ailleurs parce qu'on est un peu encombré. J'ai beaucoup de choses sur moi. C'est une de mes particularités, j'ai beaucoup de mal à ranger. Alors le forgeron, normalement, il trade comme le pêcheur du charbon. Le charbon va être très rentable, hop. Alors toi, mon petit bonhomme, ouais, voilà, du forgeron d'outils, en voulez-vous, en voilà. Là, objectif, on va essayer de se faire... est-ce que j'en ai laissé dans son coffre, lui? Oui, je crois. Oui, impeccable. L'objectif va vraiment être de se faire beaucoup d'émeraudes pour pouvoir acheter à ceux qui n'achètent pas des choses super sympas, quoi. Donc on va... Hop, lui vendre beaucoup de charbon, lui, tant qu'il voudra bien. Et hop, il a passé un level. Peut-être que ce sera lui qui passera maître, hein, le premier. Voilà. Donc alors lui, il achète du fer, par contre, ça, c'est hors de question. Je suis en début de partie, je ne vends pas mon fer, moi, monsieur. Non, non, non. Par contre, si vous me vendez des outils sympas, bon, lui, il vend des cloches et des pioches en pierre. C'est pas très intéressant. Mais voilà, il achète du charbon, j'en ai. Vas-y, donne, achète. Donne-moi des émeraudes. Allez, on est presque au stack, il nous manque 4 émeraudes et l'objectif sera atteint. Il retourne à son métier, il recharge. Non, il n'a pas rechargé. Mince. Vas-y, recharge. Il fait des particules, normalement, quand il recharge. Et voilà, il n'a pas rechargé, là. Bon, on va le laisser tranquille. On va aller en voir un autre. On se rappelle que notre pêcheur, aussi, là-bas, tout là-bas, 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 lui, il voulait bien aussi du charbon. T'es où, le charbon? Ah, c'est plus loin. Où est le pêcheur? Est-il encore vivant? Ah, c'est l'autre problématique, ça. Hein. C'est que, des fois, les pêcheurs, les villageois, en général,
rencontrent leur triste destin face à un zombie. Aïe aïe aïe, je crois qu'on a perdu notre pêcheur. Je ne vois pas de villageois pêcheur dans le coin, juste un bébé. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon bah, du coup j'ai un peu de papier, on va essayer de voir si le libraire il a changé. Libraire, où êtes-vous? Ici. Alors, tu vends quoi? Solidité 2 toujours? De toute façon, t'achètes pas de papier, toi. Attends. Hop, hop, on va continuer notre mission. Optimisation de village. Ça passe par les faire changer de métier. Ne te sauve pas, s'il te plaît. Parce qu'il y a beaucoup de blocs métiers dans le secteur. Oh là là, il essaie, il est parti. Il est parti. Bon, bah il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Alors, est-ce que notre forgeron, là, d'outils... Il a rechargé, toujours pas. Ah, il veut pas, il veut pas, il veut pas, il m'aide pas là. Là, je suis pas aidé. Qu'est-ce que j'avais gardé d'autre? J'ai dû ramener du blé aussi, pour notre ami le fermier. Je fais avec tout ce que j'ai. Hein. Là, c'est la course au trade. Voilà, j'avais ramené pas mal de blé. Hop, récupéré à la maison. On va aller voir notre ami le fermier. En plus, la nuit va tomber, donc ils vont plus vouloir commercer. Là, ils vont surtout vouloir faire des bébés. Mais je veux mon stack. Ça y est, j'ai mon stack d'émeraude. Impeccable. Objectif atteint. Et puis, on continue à faire monter notre ami fermier. Voilà. Ah bah là, il veut plus. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, on va aller ranger ça. Le charbon. Parce qu'on va acheter du pain à ce monsieur pour en donner plein. On va continuer. Ah, bah, il achète des pastèques. Ça, c'est pas trop compliqué à avoir quand on est un peu plus loin dans la partie. Hop, on met le pain par terre, vous allez voir, ils vont tous adorer le pain. Et quand ils ont beaucoup de pain, beaucoup de lits, que font-ils? Eh ben, ils font des bébés! Allez, faites des bébés. Soyez sympas. Hein? C'est une leçon spéciale pour vous, rien que pour vous, rien que les villageois. Alors, combien on en a d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, on n'est pas encore au top du top. Hein. Je vais faire un petit effort, messieurs. Allez, faites des bébés. Il n'y a pas le choix, il faut faire des bébés. On va ranger le blé pendant ce temps-là. Ils n'ont pas l'air décidés, là. Ça va se compliquer, ça va se compliquer, tout ça. Mais c'est bon, là, on a plein d'émeraudes. On va pouvoir faire des trucs. À qui je pourrais acheter des choses intéressantes? Ah, non, je crois qu'il y avait deux libraires. T'en es où, alors, toi? Toujours ce... Ah, toucher de soi, mais ça, c'est très très bien, ça, monsieur, mais j'ai pas de livre. Par contre, j'ai des papiers. Alors, on va te bloquer. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ce monsieur vend toucher de soi. Toucher de soi, c'est un enchantement fort utile. Et, vous avez vu, il peut changer de métier, même quand je suis pas là. Donc, comment bloquer ça? Eh bien, il faut absolument que la barre verte soit un minimum remplie. Et là, du coup, en lui tradant un petit peu de papier, j'en ai plus assez, eh bien, je me suis autorisé, du coup, à le bloquer. Et donc, il va rester avec toucher de soi. Donc maintenant, bah, on va voir, on va espérer que dans d'autres niveaux, ils vendent un livre raccommodage. Mais voilà, c'est pas grave, au moins on aura touché de soi, si ce monsieur daigne ne pas mourir. Entre deux, parties. Voilà, donc j'espère qu'ils ont fait quand même quelques bébés. On va aller chercher un peu de cuir, si je trouve des vaches, pour faire un livre, pour essayer d'acheter un touché de soi quand même. Ouais, j'ai vu une vache là-bas. Hop. Et puis ben, on va refaire sûrement une ellipse. Le temps, faut que je laisse passer du temps pour que les bébés deviennent grands et qu'on ait 13 villageois, parce que du coup, sinon l'épisode va durer une éternité. Est-ce que j'ai gardé un peu de blé sur moi? Oh, il y a d'autres vaches là-bas, c'est bon. Hop, allez. Pan, pan. Non, pas pan, pan. Voilà, merci pour le cuir, il m'en faut qu'un, j'en ai deux, c'est impeccable. On rentre vite parce que j'ai beau avoir mis des torches un peu partout, pas à l'extérieur. Voilà, j'ai sécurisé un petit peu. Ah, voilà aussi ce qui arrive quand vous avez suffisamment de villages. Ouah, pardon. Eh bien, vous aurez des chats. Les chats ont un intérêt majeur, c'est qu'ils sont anti-fantômes et anti-creepers. Donc, c'est très intéressant d'avoir des chats. Et pour ça, bah, il faut faire grossir votre village, d'où l'intérêt de l'optimiser un maximum. Et de continuer à les aider à se reproduire. Hop, on fait passer la nuit, comme ça on évitera les mobs. Et ils vont commencer tout de suite à rebosser. Hop, et nous on a besoin qu'ils bossent. Alors je disais, il me faut un livre. Il me faut un livre, hop, parce que le monsieur... Bah on va en faire deux. Je dois avoir assez pour en faire deux. Le monsieur bibliothécaire, il voulait bien me vendre un toucher de soie, mais avec un livre. Hop, voilà, impeccable, j'ai 8 émeraudes. Et ben, bah, on va récupérer un toucher de soie. Oh bah mince, j'en ai récupéré deux du coup. Ah bah, voilà, bon, bah c'est pas grave. Alors là, je peux pas le mettre sur ma pioche en diamant parce qu'elle a fortune 3, mais je peux le mettre sur une autre pioche en diamant.
Et ça a un grand intérêt hein, d'avoir touché de soie, puisque ça va me permettre de récupérer la roche directement sans la faire cuire quand elle se transforme en pierre. Et comme ça, vous avez compris, je vais pouvoir trade avec le fameux maçon. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire hein, dans un village. On n'arrête pas en général. Oui, il est barré le maçon d'ailleurs. Maçon, maçon, où es-tu mon ami? Où es-tu? Hop. Alors les chats, vous pouvez les apprivoiser avec du poisson cru, pour info. Ah ben non, mais toi, ah si, si, tu vas peut-être m'acheter un peu d'argile quand même. Mais la roche, j'en ai plus assez. Alors, le maçon, où est-ce qu'il est barré? Et puis le forgeron, là, est-ce qu'il a réinitialisé son... pour le charbon? Là, on continue, hein, nos trades à nous, on perd pas de... On perd pas le fil, on perd pas le nord. Pareil, on pourrait peut-être arriver à faire monter notre fermier, là, qui se balade avec les enfants. T'en es où, toi? Ouais, t'as pas encore, t'es pas retourné à ton bloc métier, vous voyez, il a encore les petites croix. Ils sont casse-pieds, ils sont casse-pieds. Ce que je vous propose, c'est que je vais continuer cette dynamique de trade et de reproduction jusqu'à ce que j'ai atteint l'objectif 13, 12 villageois, 12 métiers, pardon. On doit pas en être loin, mais surtout, je voudrais avoir suffisamment de villageois pour que, voilà, ils soient complets. Et comme ça, on pourra dire qu'on a optimisé notre village complètement. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion de cette leçon. Dès que j'ai suffisamment trade avec eux, je vous retrouve de suite. Et voilà, j'ai bien avancé ce village, c'est pas fini, c'est long. Cet épisode va être un peu plus long d'ailleurs, je pense, que les leçons précédentes, mais les villageois le valent bien. Il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser votre village, et j'avais quand même envie de partager avec vous, plutôt que de faire tout hors caméra, juste vous montrer le produit fini. Donc par exemple, là j'ai mis un deuxième lectern, pupitre de lecture, et lui j'ai été lui farmer du papier. Et là il vend un truc intéressant, par exemple il vend des lanternes, et comme j'ai vraiment farmé beaucoup, vous voyez j'ai beaucoup d'émeraudes, ben on va lui acheter le maximum de lanternes possible pour le faire monter d'un level encore, parce que les libraires, eh bien, ils sont vraiment très intéressants. Regardez, ils peuvent, voilà, bon là lui il est pas terrible, il vend pas beaucoup de livres, toujours son toucher de soie, maintenant il vend du verre. J'ai plus beaucoup de place, et lui, lui il est nul, donc c'est encore mieux. Mais voilà, j'ai quand même 12 lanternes gratis, c'est vraiment sympa. On va commencer à accumuler pas mal de choses bien sympathiques. Et d'ailleurs, on va commencer à en ranger dans des coffres, parce que j'ai trop de choses là, sur moi. Ça par exemple, j'en ai pas besoin, pouf. Bon, on va utiliser ce coffre vraiment pour ranger. Ça, je peux plus trade, de toute façon, ça non plus. Les outils en trop, là, voilà, on va garder notre pelle quand même. Ça, ça peut servir, le fer, je garde. Voilà, donc on garde nos émeraudes. Hein. J'ai pas mal d'émeraudes sur moi à force de faire du trading. Bah, ça, on n'a plus besoin sur nous. Voilà. Et voilà, on va faire un petit tour des popotes, parce que j'ai plusieurs maîtres maintenant. Voilà, lui, il n'est pas encore maître, tiens d'ailleurs. Mais regardez, il vend des choses intéressantes. Il vend une hache en diamant, efficacité 3. Or, moi, j'ai qu'une hache en fer, donc je prends, évidemment. Et en plus, j'étais pas loin de son level maître, donc normalement, il passe maître. Et regardez, au niveau maître, ça devient très intéressant. Bon, une pioche en diamant, efficacité 1, c'est pas le top de la balle, mais ça se prend quand même. Pourquoi? Bah parce que j'ai touché de soie. Bah oui, j'ai touché de soie. Et regardez ma barre d'expérience, à force de faire du trading, je suis à 35 levels. Donc 35 levels, un touché de soie, une pioche en diamant, efficacité 1. Eh bien, regardez, j'ai laissé traîner normalement une petite enclume. Du côté du temple, eh bien, on va aller mettre toucher de soie. Vous allez voir l'intérêt d'avoir des villageois. Regardez-moi ça, il y a même le verre, vous voyez, ça sert à quelque chose. Il fait le maître d'école, tout compte fait. Donc, il y a plein de bébés, évidemment. Il faut que j'attende qu'ils grandissent, qu'ils aillent choper un métier. Des fois, les villages, les blocs métiers sont trop loin. Hop, donc, comment on met toucher de soie? Ben, tout simplement, on le met là. On met l'objet à équiper et... Ça coûte 4, mais avec tout ce qu'on a trade, eh ben on a plein d'expérience. Et comme ça, j'ai une deuxième pioche. Bon, elle n'est pas efficacité 4, solidité 3, mais au moins, elle a touché de soie. Je vais pouvoir aller farmer de la roche pour notre ami le maçon, tout simplement. Et on optimise tout chez Olchaldir. Le village et le farm. Je vous conseille d'ailleurs de faire une mine hein, dans vos villages optimisés. Allez, les enfants, on grandit. Parce que bah du coup, vous serez plus rapidement autonome. Vous n'aurez pas besoin de faire comme moi, de retourner à chaque fois là-bas, à la maison. Hop, allez, mon petit bonhomme, là, il faut que tu continues à grimper. Alors ça, c'est un fermier comme j'aime pas trop, parce que la pastèque, c'est pas le mieux. Souvent, ici, ils achètent de la citrouille. Donc, citrouille et pastèque, c'est l'idéal. Et lui, devient un très bon fournisseur d'émeraude. Le fermier et le maçon sont les deux meilleurs fournisseurs d'émeraude, parce que leurs achats sont basés sur des trucs faciles à récolter.
Ah, sauf si vous avez une usine à papier, le cartographe et le libraire sont bien placés aussi. Mais vraiment, le fermier et le maçon sont les deux plus simples. Après, il y a voilà, le cartographe et le libraire pour le papier. Le pêcheur peut être très intéressant, d'ailleurs, on va aller le voir. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié un métier. Voilà, donc là, c'est bon, ils sont venus quand même. Il y a un pêcheur et puis un forgeron d'armes, celui-là. Voilà, donc lui, bah, c'est pareil, il va falloir que je le fasse monter, mais il me vend des trucs pas terribles. On va lui acheter une cloche, tiens, ça va le faire monter. Et comme ça, on va doubler notre village en point de rencontre. On va mettre une cloche du côté de chez le pêcheur. Par ici, tiens. Voilà, une cloche, ça peut se mettre sur le côté. Comme ça, ils viendront discuter au pied de la cloche. Et bah, ils vont se reproduire, ces deux-là, ici. Parce que, bah, du coup, il y a assez de lits pour qu'ils les détectent, normalement. J'espère. Et puis, bah, on avait oublié le fléchier. Le fléchier, s'il vous plaît. Lui, il a besoin, hop, de ceci. Mince, mon établi est là-bas. Donc 4 planches et 2 silex, il a besoin d'un outil bien précis qui ne sert pas à grand chose d'ailleurs cet outil. Oh, j'ai oublié d'ailleurs de vous parler de ça dans la leçon. Les outils ont aussi une utilité, donc je ferai très probablement des mini tutos sur chaque bloc métier plutôt que de le faire dans cette leçon. Mais voilà, sachez que la plupart des blocs métiers ont une utilité pour vous in-game. Comme par exemple la meule va vous permettre de désenchanter un objet. Voilà, la meule qui est là-bas. Le tonneau est un contenant, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore? La table de cartographie, on l'a vu quand on a exploré, servait à quelque chose, évidemment. Hop, voilà, on va pouvoir mettre un petit fléchier ici. Donc elle ne sert à rien, par contre. Voilà, le mauvais exemple. Quand vous cliquez droit, il ne se passe rien. Alors que si je clique sur une meule, hop, on a une interface. On y reviendra en mini-tuto. Voilà, du coup, j'ai fait le tour de ce que j'ai vu depuis la dernière fois, je pense. Donc, on va continuer à laisser passer des nuits et des jours pour qu'ils grandissent. Ah, ils ont bien grandi, là, on dirait. Alors, j'en ai combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, on doit être bien pour les 13 villageois minimum. Par contre, je suis pas sûr d'avoir tous les métiers représentés encore. Qui il me manque? Ah oui, ils sont pas allés jusque là-bas. Ils sont pas allés jusque là-bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment déplacer un villageois. Ça va peut-être être compliqué, mais alors pour l'instant, je vois qu'il fasse des bébés, quand même. Encore. Encore et toujours. Encore et toujours des bébés. Bon, on est bien hein, au niveau des objectifs. Hein. On a quasiment donné tous les métiers. On a reproduit des villageois. On a monté un villageois minimum au niveau maître. On a bien eu un stack d'émeraudes. Là, maintenant, voilà, on a deviné qui était le métier pour aller en enfer. C'est le prêtre. Il nous manque juste le tisserand, je pense, qui n'est pas allé jusqu'au bout là-bas. On va aller voir. Parce que si ça se trouve, il se réunit là-bas, le village étant tout en longueur, il est possible que des bébés soient allés dormir là-bas, grandir là-bas et faire un tisserand dans ce coin-là. Tranquillement dans son coin. Hop. Non, pas pour l'instant. Donc, bah, il va falloir qu'on arrive à déplacer. On a bien un tanneur, par contre. Donc lui, il va où? Ah, attendez, là, il y en a un. Ah, puis il y a celui-là aussi, j'ai oublié de discuter avec celui-là. Oui, mais lui, il est coincé. Il est coincé, le monsieur. Hop. Alors, il n'y a rien de plus pénible que les villageois à déplacer. Hein. Je vous assure que c'est vraiment une grosse galère. Bon, on va lui enlever le coffre. Voilà, comme ça. Ah, voilà, il a réussi à devenir armurier. Ah, lui, il est très intéressant parce que bah, il pourrait nous filer, justement, on va essayer de le faire monter un petit peu. Tant pis, c'est pas rentable. Attendez, j'ai du charbon, quelque part. Bon. Il fait nuit, je fais une autre ellipse, on se retrouve juste après. Je vais trade avec ce petit monsieur, le faire monter, puis essayer de ramener un tisserand avec vous. Ah, attendez, non, on va pas tout de suite se quitter. Donc lui, voilà, il va sûrement discuter avec ce monsieur-là. Ils vont rester sûrement dans ce coin-là, donc il me fera sûrement une autre cloche, là. Ouais, alors ça, ça devient vraiment pénible. Hop, on va enlever les coffres. À chaque fois, il se bloque. On va enlever ce coffre-là aussi. Ça doit le bloquer pour aller se coucher. Voilà, exactement, c'était ça. Par contre, il a piqué le lit du tanneur, c'est pas très cool. Monsieur, donc il nous manque le tisserand, et on sera bien. Alors, comment on va déplacer un villageois? Eh bien, tout simplement, on va leur enlever les lits. On va leur enlever les lits, par contre, il me faut de la place pour les stocker. Donc, on va ranger dans un coffre ce dont on n'a pas besoin, genre ça et ça. Ça non plus. Les émeraudes, on va vite en avoir besoin, donc on les garde sur nous. Hop. Et puis, on va déplacer tout ce brave monde, là. Voilà, là, ils sont très nombreux. Bah, c'est bien. Bah, vous savez quoi, les mecs? Vous allez dormir ailleurs, s'il vous plaît. Voilà. Non, 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 non. Non, non, on dort pas ici. C'est interdit. C'est une zone interdite au sommeil. Voilà. Vous, vous trouvez des lits ailleurs. Je vais aller les poser ailleurs, dans les maisons. Là, vous êtes assez nombreux, maintenant. Donc, l'idée, c'est que vous alliez trouver des lits
Hop, 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 zombie, 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 il faut protéger les villageois, protégeons les villageois. Le golem était venu aussi à la rescousse pour protéger. Du coup, j'ai trop de lits sur moi, mais normalement, ils vont aller en chercher un peu partout. Hein. Où est-ce que je peux en mettre? Hop, est-ce que là, chez le maçon, j'en ai mis un? Non, j'en ai pas mis. Allez, on va même en mettre deux. Voilà, ça va leur faire du lit. Comme ça, on va ramasser les deux qui traînent, là. Hop. Chez les libraires, c'est pareil, j'ai pas mis de lit, je suis sûr. Je suis sûr que j'ai pas mis de lit, alors que là-haut, hop, il y a de quoi faire. Non, il n'y a pas de quoi faire. C'est pas grave, on va mettre les lits ici. Voilà, ça va les obliger à venir un petit peu plus juste à côté de leur lieu de travail, et ça va éviter qu'ils se baladent aussi. Parce que quand ils se baladent, ben, ils sont exposés. Ils peuvent se retrouver avec des zombies. Voilà, donc on va mettre dans un maximum de maisons des lits. Voilà, là, il y a du monde. Ici, il y a moyen de mettre du lit aussi. Hop. Hein, monsieur le boucher, il y a moyen de dormir chez vous. Hop, voilà, on optimise notre village. Et comme on a vraiment beaucoup de lits, beaucoup besoin de villageois, on en met même en surpopulation. Hein. Bon, voilà, c'est bon. Tac à tac, là j'en avais déjà mis. Lui, il en avait pas, du coup, il allait piquer celui du tanner. Mince, il y a un creeper, là, c'est pas bien éclairé ici. Oups là, j'ai oublié cette zone-là. J'ai oublié la zone... 1-1-1, c'est pas bien, parce que là, du coup, ça peut coûter cher, tout ça. Ouais, c'est pas terrible de mettre un lit là-dedans. Ah non, mais d'où il sort, lui? Non, vous venez pas embêter le village, c'est interdit. Ah, punaise. Il faut que j'aille passer la nuit. On va essayer d'en mettre aussi, quand même, par là, des lits. Ça va les attirer, je pense. C'est le meilleur moyen, en fait, pour déplacer vos villageois, bah, c'est de mettre des lits un peu partout. Hop, voilà, l'araignée va m'attaquer, mais c'est pas grave. Là, on attend que le temple soit disponible. Eh bien, il va servir de refuge. Voilà, tout simplement. Hop, on esquive l'araignée. Toup, toup, toup. Je crois que je suis bien, là, en lit. Hein. Je vais difficilement pouvoir en mettre d'autres. J'en ai encore beaucoup, pourtant. Ah bah, lui, il s'est fait du zombie. C'est très bien. Où est-ce que je vais pouvoir mettre des lits en plus? Ah, on a deux golems, c'est bien ça. C'est une bonne nouvelle. Hop, ici, tiens, chez toi. Ah oui, il n'y a pas de lit là, non, ça va pas ça. Bon, c'est pas très pratique pour dormir chez toi. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la disposition. Hop, on va mettre l'outil ici, et on va mettre du lit là. J'ai plus de quoi mettre... Bah tiens, on va mettre un coffre ici. Hop, voilà. Quand même, on va laisser un trou, ça se fait pas. Il me reste deux lits. Ben, je vais les garder, je vais passer la nuit d'ailleurs. Hop, voilà, comme ça. Ils vont revenir au centre du village et puis les monstres vont trépasser. Donc ben, vous avez compris, le principe hein, c'est de mettre des lits au bon endroit. Alors une des astuces du coup pour les déplacer vers des endroits très loin, eh bien c'est de mettre un lit. Vous attirez le villageois qui cherche un lit, il va ensuite arriver dessus, vous le cassez, vous le mettez un peu plus loin et il va suivre votre, comme un petit pousset, votre chemin de lit. Voilà, tout simplement, et ça marche avec les blocs métiers aussi. Voilà, eh bien, on est bien, normalement, on a tous les suffisamment de villageois pour avoir tous les métiers. Je vous retrouve pour conclure l'épisode, cette fois-ci ce sera la bonne avec tous les métiers. J'espère pas tous mettre, mais voilà, on devrait avoir tous les métiers. Il doit me manquer le fléchier maintenant et le tisserand, c'est tout. Ok, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion de cette leçon 7 sur l'optimisation d'un village. Je crois que là, le village, je l'ai optimisé au top du top. Il y a un monde fou dans ce village. Je suis pas sûr qu'ils survivent tous à toutes les nuits. Je vais repasser à la première personne. Voilà, où il est barré lui, parce que il est arrivé. Voilà, j'ai réussi à avoir un fléchier qui s'est déplacé jusque là. Bah, malheureusement, des fois, ils achètent du silex. Bah, lui, il vend des flèches. Et ben, on va lui acheter des flèches. Voilà. Oups, j'en ai acheté beaucoup. Bon, bah c'est pas grave, il va monter d'un level, du coup. Est-ce que tu achètes du silex maintenant, monsieur? Eh ben voilà, tu achètes du silex, ça va me rembourser pour mes flèches. Oh, punaise. Eh ben voilà, il aura acheté tout mon silex. Allez, je vends tout, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, on n'est pas à ça près. Voilà, comme ça, le monsieur, il va passer encore un level. Il est compagnon maintenant et il va vendre des arbalètes, acheter de la ficelle, ok. C'est pas non plus un des métiers les plus intéressants à un fléchier. Sauf si vous avez beaucoup de silex et de ficelle à lui vendre, avec un spawner à araignée par exemple. On va lui laisser ses flèches d'ailleurs, on n'en a pas besoin. Et puis on va aller voir le dernier métier qui doit nous manquer normalement, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est à l'opposé. Donc là, bah, y a des gens sans métier aussi, hein. Ils ont spawné, ils sont venus, mais il n'y a pas de bloc métier. Donc je vais pouvoir multiplier les métiers intéressants. Peut-être mettre un deuxième maçon, un deuxième fermier aussi.
Mettre plus de libraires encore, puisque les livres enchantés sont intéressants. Les armures enchantées, les armes enchantées, les épées enchantées peuvent aussi être intéressants. Et normalement, s'ils ne se sont pas barrés, j'avais mis deux métiers à tisser, je dois avoir deux tisserands, voilà. Et eux, ils achètent de la laine en général, donc ça peut être intéressant aussi si vous avez pas mal de moutons. Laine marron, laine grise, et toi, tu achètes laine marron et laine noire. C'est pas les moutons les plus pratiques à trouver, n'est-ce pas? Ceux qui me connaissent bien, le mouton marron. En tout cas, on est bon. On a bien les 12 métiers qu'on pouvait avoir, il nous manque le prêtre. On a tout fait, hein. On a donné un métier à chaque villageois qu'on pouvait, tel qu'on pouvait, il y en a qu'on n'en même pas. Bonjour Tom Pousse, pendant le record, c'est les joies du multijoueur, mais c'est génial, je trouve ça très bien de voir les copains passer. Donc donner un métier à chaque villageois, c'est fait, reproduire les villageois, c'est fait, monter un villageois au niveau maître, on en a monté plusieurs, avoir un stack d'émeraudes, c'est fait, avoir les 12 métiers, c'est bon, on sait quel est celui qui nous manque, c'est le prêtre, parce qu'il manque le bâton de blaise. Et donc, tout simplement, je vais vous dire à bientôt, il me reste à vous donner la leçon. Je vais le faire ici, dans le village, la mission de fin d'épisode, la leçon, n'importe quoi, la mission de fin d'épisode. Eh bien, tout simplement, je vous invite, si vous faites cette partie sur une solo ou sur un multi, eh bien, à faire un screenshot de votre village optimisé, et ou customisé même, dans un thème de votre choix, mais au moins optimisé, et le poster sur notre Discord dans le salon All Shall Dear, comme d'habitude. Tous les liens sont en description, les explications également. J'espère que vous aurez apprécié cette leçon un petit peu longue sur l'optimisation des villages, mais ça le vaut bien, je vous assure, en termes d'expérience, regardez, j'ai 33 levels. En termes de trade, ils vendent des outils en diamant, des armes en diamant, des armures en diamant, des livres enchantés. Les villageois sont vraiment très intéressants depuis la 1.14 de Minecraft. Si vous avez trouvé un village, et d'ailleurs je vous invite à en trouver un comme le proposait la leçon 6, n'hésitez pas à en faire une base secondaire, même si vous avez trouvé un spot plus intéressant qu'un village, vous verrez que votre aventure se déroulera de façon encore plus simple. Et puis ça peut être très fun de customiser un village. C'était le thème dans nos aventures Gentlemen of Craft, des pillages défense, on customisait des villages, et je vous assure que on a passé un des grands moments de fun avec les copains à faire ce genre de choses. Donc je vous invite à vous y essayer. Voilà, j'espère donc que cette leçon numéro 7 vous aura plu. On va se laisser sur ces mots. Je vous souhaite évidemment le meilleur, portez-vous bien, c'est le plus important, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.